Salut à tous, c'est Raga pour un nouvel épisode d'Indécaféiné. Un épisode d'Indécaféiné qui sera sur un jeu qui s'appelle Brothers A Tales of Two Sons. Et pour cette aventure, je ne serai pas seul, je serai accompagné de Nino. Bonjour. Nino qui est donc juste à côté de moi, vu qu'on va faire ce jeu d'une manière un peu particulière. On va dire ça comme ça. Donc déjà, je parlais un peu du jeu. Le jeu est sorti en 2013 sur Xbox, PS3 et PC, sur Steam, et développé par Starbreeze Studio. Donc c'est un jeu narratif, je sais pas trop comment le définir, sachant que nous ne nous sommes pas spoilés l'histoire du jeu, qui est, semblerait-il, très importante. Et assez triste aussi. Et assez triste, d'après ce qu'on nous a dit. Oui. Et donc, le gameplay du jeu, c'est que nous a-t-on dit, parce que nous n'avons même pas lancé le jeu, c'est qu'on contrôle deux personnages en même temps avec les deux sticks de la manette. Sauf que là, on va faire ça de manière un peu particulière. Je vais prendre le stick gauche. Et moi, j'aurai le droit. Le droit, voilà. Donc, va falloir jouer en coopération et pas seulement entre la main gauche et la main droite. Alors, de ce que j'ai compris aussi, il y en a un qui contrôlera le grand frère et l'autre aura le petit frère. Quelque chose comme ça. Enfin bref, on va lancer le jeu. On y va un peu en mode YOLO. Nouvelle partie. On va essayer de pas parler pendant les cinématiques s'il y en a. Surtout si c'est triste. Déjà ça commence sur une tombe. Tu sens la joie et la bonne humeur. On pourrait faire un sourire quand même. Ah, pas devant une tombe. Ah, c'est une rose sur la tombe, ça doit être sa maman. Ça commence bien, hein. Ça donne envie de jouer. Là, si j'avais une langue de belle-mère, je ferais... ça donne envie de continuer le jeu. Ce qui me fait pour savoir ce qui s'est passé, en fait. Ce qui me fait un peu peur, c'est que je crois que c'est pas le moment le plus triste du jeu. Ah. Ok. Oh, purée. Super animation. I see dead people. Parler en français au moins. C'est ça que je me demande si j'ai. Est-ce qu'il y a des réglages sonores du jeu que je n'ai pas touché. Ta. Ata Nayi. Ata. Ah d'accord, c'est qu'en plus de la mère, va y avoir le père maintenant. Oh non. Oh non, je commence à voir le gameplay du jeu arriver là. Alors oui. C'est quoi l'idée? Je crois qu'on va, on va devoir déplacer le chariot à deux. Le chariot qui contient le papa, donc. Oui. Qui est bien malade, a priori. Pas en grande forme. Ouais. Alors, du coup, c'est moi qui ai le petit frère et c'est toi qui as le grand frère. C'est ça. C'est la touche du bas, c'est ça? Ouais. D'accord. Alors, attends. Donc, tu prends et... Ouais, ça va. Pour l'instant, on a juste une gâchette à maintenir. Oui, et une direction à avancer. Ah, d'accord, il y a la direction aussi. Oui, bah oui. Ça fait quoi si tu te rébuches? Tu recommences? Je sais pas. Tu crois qu'il y a des QTE? Quel jeu est... Pour un jeu de 2013, il est quand même assez beau. Oui, ça va. Les graphismes sont très beaux. Bon, c'est pas non plus génial, mais c'est correct. De toute façon, je pense que ce genre de jeu, c'est pas un jeu que tu fais pour les graphismes. Non. Surtout pour la coop. Pour l'histoire. Ou pour pleurer. On n'a pas de paquet de mouchoirs à proximité. Ça va, on devrait s'en sortir. Concentre-toi sur ta tâche, pousse le chariot. Bah attends. Ah bah voilà. Je peux t'aider à pousser. Bah... on ira plus vite. Qu'est-ce que tu fais? Je peux te l'arrêter, en fait.
Ah d'accord, c'est moi je dirige et toi tu avances, c'est ça? Je peux t'aider à diriger aussi. Ouais. Oh purée, ça va être galère. Oh purée. Alors attends, j'imagine qu'il faut lâcher. Voilà. Et qu'il y en a un des deux qui doit actionner. Ok. Comment t'as fait pour actionner? Gâcher, La même gâchette? ouais. D'accord, donc ça serait la gâchette d'action. Interagir, c'était. Ouais. Mette pas. Mais je peux pas. Ah mais. Attends, j'essaie de reprendre. Attends. C'est galère. Est-ce que Quoi? je peux prendre de ce côté-là? Ah oui, d'accord. Mais je peux prendre moi derrière? Oui, ok. Bon, on a échangé de rôle. Ouais. Tu vois un interrupteur quelque part? Est-ce qu'il faut réactionner l'interrupteur? Non. Non. Tu t'éloignes. Ceci est un fail. Allez, ya! alors attends, attends. on se balade. Hein. Est-ce qu'il y a quelque Oui, chose? genre par là. Ah d'accord. Oh, je le sens rêver. De quoi? Qu'on peut sauter? Et s'agripper? Vas-y, Comment? interagis. Attends, il faut que je me place bien en face de toi. C'est pas pratique avec la télécommande. Enfin... Avec le joystick. Ah! Non J'avais mais. dit que j'étais douée. C'est bon. Ok, donc moi je peux grimper. Il y a une corde à droite que tu dois pouvoir descendre. Oui. Mais de toute façon, regarde, j'ai pas besoin. J'ai juste à. Je sais pas si tout seul je peux le faire en Ah non, fait. il y a deux en fait, là, je pense. D'accord. Donc on interagit et. Et comment on tourne? Comment on tourne ça? Tu tournes le joystick. Ah d'accord, ok. Oui, ok, on peut aller plus vite. Purée. Ça va être galère. Alors, pour ceux qui ont déjà joué à Brothers: A Tale of Two Sons, je suppose que c'est déjà doit déjà être galère de synchroniser la main gauche et la main droite. Alors imaginez si la main gauche et la main droite sont pas de la même personne. Allez, pousse! Allez! D'accord, je pousse. Mais pas. Alors attends. Par où on va maintenant? Ah. On dirait qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue. Non. C'est pas forcément un jeu qui est basé sur les dialogues. Tu sers à rien, mon petit frère, t'as vu, tu portes même pas papa. Bah, il est lourd, papa. Hein. J'ai l'impression d'entendre parler des Sims. On dirait du yaourt. Ou non, les personnages dans Magica. Oui. Alors, Super carte. il y a un globe avec un arbre. Arbre monde, tout ça, une histoire qu'on n'a jamais vue. Alors, j'imagine qu'on essaie de nous dire que papa est très malade. Oui, et que le seul moyen de le sauver serait d'aller à cet arbre magique. Un truc du genre. Du coup, le petit frère encourage le grand frère à accepter. Ça va aller, tu vas pas mourir. On va revenir vite. Enfin, on espère. Mais on y va vite, mais en marchant. Attends, il y a peut-être un moyen de courir. On n'a pas fini de. Non, on peut que marcher. Non, on peut courir. Alors. C'est par où? Par le chemin. J'ai pas tout à fait vu. Alors là, c'est fermé, donc je suppose qu'il faut aller voir ce gentil monsieur. Attends! Qui veut pas nous laisser passer? Oda, when Hadi? Ananana. Là, est-ce qu'il y a. Oui, par là. J'ai glissé, chef. C'est de l'eau! Oui, mais je te souviens qu'il peut pas aller dans l'eau, il doit avoir le traumatisme de sa mère. Putain, j'ai l'impression de nous voir à la mer, quoi. Pas comme ça, comme ça. Alors, il faut que j'y aille aussi.
Ah, le petit frère, maintenir la gâchette pour interagir. Non. Si, si. Allez, nage. En fait, le petit frère ne sait pas nager, c'est juste ça. En fait, j'ai l'impression que ton petit frère est un boulet. Est-ce que tu insinues que je suis le côté boulet? Je n'insinue rien, c'est toi qui insinues des trucs. Wow, on a réussi à éviter le mec qui nous bloquait en faisant. J'ai failli me noyer. Et c'est bien, là maintenant la carte est complètement illisible. Je pense pas que ça soit. Ah, on peut grimper? Attends, comment t'as fait? Ah, d'accord. Toujours le même. Mais pourquoi ils s'enfuient? Oh mon dieu, ils savent nager, je fuis! Ah, pour fermer la porte. Pour se foutre de nous. Arrête de trapper à la porte. Sinon, tu peux monter, non? Je suis là. Putain, je suis petit, je te rappelle. Comment? Ah, pour punaise. Bon, il y a eu un petit échec. J'ai capté qu'on pouvait sauter et interagir, mais... Voilà. Putain, le mec, il a la détente plus grande que Spider-Man, quoi. Donc on peut sauter. Non, si, mais tu me gênes. Vas-y. Chacun son tour. Laisse le petit frère passer d'abord, il est plus vulnérable. D'accord, s'il y a un truc venimeux, c'est lui qui sera piqué. Oula. J'ai glissé, chef. Oui, c'est un peu ça. Bon, alors pour l'instant, on dirait que c'est un peu une histoire qui tourne autour d'énigmes à résoudre pour avancer. Ouais. On peut tourner la caméra, oui, ok. Comme ça, avec la gâchette haute, du coup. D'accord, et moi dans l'autre sens, du coup. Voilà. Encore plus loin, apparemment, qu'il faut que tu ailles. D'accord, parce qu'on peut pas... On est obligé de faire la cinématique qui nous explique jusqu'au bout. Ah, donc tu vois qu'il y a un monsieur dans nous. Merde, faut que je reste. Faut que je reste. T'es sûr? Ah non, en fait. Non, non, tu peux juste t'asseoir pour regarder ce qui se passe. Peut-être que tu peux descendre. Non. Non. Non, mais arrête de t'asseoir! Putain, le jeu il a commencé depuis 5 minutes, tu vas pas me dire que t'es fatigué. Est-ce que... Comment t'as. Hey, Nae! Ah, t'es intelligent. Attends. J'ai jamais dit que j'étais aussi futé. Hein. C'est pour ça que je suis le petit frère en fait. Attends, moi, je suis pas doué pour grimper. Mais. Tu es lente un peu. De grimper. Hey, Nae! Allez, ramène-toi, feignasse! Oh putain. Oh putain. Passe devant, je t'en prie. Ça va en fait. Y a pas trop d'équilibre si. Non. Tu t'es vu mourir, non? Un peu, ouais. Ah, revoilà l'autre. Et il a d'autres passe-temps à part fermer des portes, lui? Alors, il y a des énigmes. Alors moi je passe pas, mais je suppose que toi, oui, vu que comme je suis de petit frère, je passe. Donc qu'est-ce que je peux faire? Je peux libérer le cabot peut-être? Ouais. Oui. La manivelle. Oui. Tiens, mais... ouvre-toi le cabot. Mais il a peur d'un chien! Putain, mais je sais pas comment il aurait pu être plus ridicule, avoir peur d'une loutre ou je sais pas quoi. Bon, du coup je passe devant. Ah. Tu peux le faire aussi, non? Bon, alors. Il y a une porte fermée là. Non, on peut pas. Il y a encore un mec qui dort. Par là. Ouais. Je n'ai aucune idée de où on monte. J'ai le doigt qui glisse. C'est pas facile. Attends. Tiens. Attends, il y a l'autre qui ronfle. J'entendais l'autre qui ronfle. Mais Bouddha. Je veux savoir, qu'est-ce que tu fais? Bah, je joue avec le chat. T'en as d'autres, des questions comme ça? Il y a l'autre qui ronfle, donc on serait revenu en arrière? Non, on est au-dessus.
Non? Non. Je sais pas où On est iront. en dessous peut-être. Ah non, bah non. Quand on regardait la vue, on n'avait pas de vue là-dessus. Il y a Ah, il y en a un. un autre qui ronfle en fait. Hey, Laisse-moi oh, parler. ah non. Ah, pour activer le. Ah, pour le pont. Peut-être. Ah, il y a une manette. Oui, tu l'as vu? Oui. Je peux rien faire. Tu peux peut-être me faire la courte échelle? Non? Hey, oh, vraiment. Je n'ai pas d'action possible. Je peux juste à part le réveiller et qu'il m'envoie balader. Quant à moi, je suis pareil. Attends, il doit y avoir quelque chose. Il doit y avoir un moyen de le réveiller. Peut-être le chat? Non, parce que je peux pas faire grand chose. Qu'est-ce que je peux faire moi avec le chat? À part rien. Rien du tout, quand même. Je pense qu'il y a moyen d'activer la manivelle, mais je sais pas trop comment. C'est peut-être tout bête, hein. Et on peut pas passer en fait. Qu'il arrive, il nous bloque l'accès. Donc j'imagine que c'est peut-être une action pour lui de d'activer la manivelle. Non, je pense qu'il doit y avoir un moyen de le réveiller. Je vois pas comment. La seule chose qui est autour, c'est le champ. Tu peux attraper. Mais Boda? Kaya? Mais je peux juste. Oh! 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 Voilà tout ce que je peux faire avec le chat. C'est génial. Non, je pense qu'il y a moyen de faire un truc ici, mais. Attends. Da. Je peux rien faire, mon perso. Vas-y, va à ma place. Non, je peux rien faire non plus. Il se dégourdit les pattes. Et en venant ici, est-ce que toi tu le réveilles? Non, non, j'ai déjà essayé. Moi, je peux pas le réveiller. Je peux rien faire. Ah, si. Hein? Ah, d'accord. Ouais, bien sûr, tu peux rien faire. J'avais essayé pourtant, je m'étais mis quelque part par là et j'avais interagi. C'est précisément cet endroit que je pouvais interagir à peu près. Et du coup, maintenant, tu dois pouvoir attendre la manivelle. Anna, où est Nadi? C'est parce que son c'est lui qui m'active. Bon. Alors, on notera que le petit frère et le grand frère n'ont pas la même mentalité. Je suis plus stupide. Ben, ça doit être la fin de la première premier chapitre, je pense. Donc on va sûrement... Ça fait combien de temps de vidéo? Nous sommes à 18 minutes, on va arrêter là pour aujourd'hui. D'accord. Ouais, je pense qu'on va pouvoir reprendre là la ça, saga. Oui, ça a l'air d'enregistrer, ouais. Ouais. Donc partagez cette vidéo si elle vous a plu. Suivez Vassoun sur les réseaux sociaux, tout ça, tout ça. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, même si j'en doute. Et puis à la prochaine. Ciao. Ciao.